Chers voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'emmener à la découverte de Cadiz en une seule petite journée et te montrer un peu tout ce qu'il y a à votre retour. Mais sache que le matin en novembre, il fait quand même un peu froid. Et je te propose de débuter cette journée par la visite de la cathédrale. J'ai décidé de grimper à la tour, mais le problème, c'est que ça s'arrête jamais. Peut-être que si, après tout. Mais l'une des choses que j'adore le plus à Cadiz, c'est simplement de déambuler dans toutes les petites rues. Et c'est d'ailleurs comme cela que je suis tombé sur ce que je trouve être la plus belle place de Cadiz, la place San Antonio. Et si tu veux, non loin d'ici, il y a un autre endroit bien sympathique que je vais te présenter tout de suite. Je suis venu durant plusieurs matinées à cet endroit pour simplement me promener et profiter de cette belle vue. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment beaucoup de vent. Il y a vraiment beaucoup de vent, je te propose plutôt d'aller profiter d'un musée, car en Andalousie, plusieurs musées sont gratuits aux ressortissants de l'Union Européenne. Je te propose donc plutôt d'aller visiter le Théâtre Romain. Je ne sais pas toi, mais tout cela donne un petit creux et pour ça j'ai un endroit parfait, c'est le marché central. Tu peux manger un petit peu de tout, mais je te conseille surtout de venir là, vraiment pour manger vegan. Tu sais à quel point je te conseille vraiment de voyager en auberge jeunesse, car t'es jamais à l'abri de belles rencontres. Donc là je viens de manger vegan avec une rencontre de l'auberge et maintenant il est temps de continuer la suite de la visite de Cadiz. Et je t'emmène découvrir le château de San Sebastián. Bon ben désolé, je suis maudit. Mais je te conseille de venir le visiter si tu passes par Cadiz. Voilà, maintenant je te propose d'aller visiter juste l'autre château là en face. Et sache que tu peux visiter gratuitement le château de Santa Catalina.
la belle petite place et le château fermé. Je te propose maintenant d'aller se poser sur le monument de la Constitution de 1802. C'est un beau parc où je m'ocelline. Chers voyageurs, c'est ici que mon voyage à Cadiz s'achève, encore devant un magnifique coucher de soleil. N'oublie pas de t'abonner à mes réseaux et à bientôt pour de nouvelles aventures.